bienvenue à toutes et à tous au Dynamic Game de Chaland pour le test à l'arrache du midi. Donc on prend une petite demi-heure pour pouvoir tester une nouveauté, enfin une nouveauté pour le coup c'est un vieux titre. C'est un titre qui a été développé en interne par des petits développeurs, pas beaucoup de trésorerie. Vous allez voir graphiquement parlant, ça pixelise un peu, vous avez dû voir la bande-annonce, donc c'est Hollow Boy. Il y a une édition collector qui existe, qui doit se trouver juste derrière moi, qui est ici. Voilà, donc pas évidente à trouver, vous allez voir c'est un très bon titre. C'est un jeu qui me tient à cœur, je voulais vous le présenter, voir ce que vous en pensez. On reviendra prochainement sur The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima. J'ai un ami, un pote qui vient régulièrement au magasin, qui devrait m'accompagner, qui a fini le jeu dans l'intégralité, pour en parler ensemble. Mais pour le moment, eh bien, on va faire un petit tour et on va tester Hollow Boy ensemble. Hop, hop, hop. Non, j'oubliais, on va d'abord se détendre. 20 secondes de musique et 20 secondes de détente, ça devrait vous plaire. À tout. Les jeux vidéo, tu aimes, va chez Dynamic Game. L'échange de jeux à 4 euros, mais oui, le monde est beau. Ils te reprennent tes jeux plus chers que chez tous leurs confrères. Tu peux jouer sans te ruiner, le passionné à passionner. Allez, allez, c'est parti. Donc, vous voyez, donc c'est plutôt basique au niveau qualité d'image, au niveau graphique. Mais vous allez voir, malgré tout, c'est un très bon titre. Donc, excusez-moi pour les ventilateurs, mais il fait relativement chaud. Hop. Les scénarios sont bons. Vous avez des boss à chaque fin de niveau. On va pouvoir s'envoler. Il y a quelques manipulations à prendre en main. Une fois que les manipulations sont bien prises en main, le jeu est relativement agréable à jouer. Tout en français, pas mal du tout, ils ont fait un effort de traduction. Il y a certains titres indés comme ça qui coûtent vraiment très très cher à développer, il leur faut du temps, donc la traduction n'est jamais faite. Donc c'est basique, vous allez voir, mais c'est... ils vont attaquer son village, sans vous trop vous spoiler un peu l'histoire du jeu. C'est attachant, c'est attachant et mignon, ça me fait penser au vieux Wonder Boy en fait. Je pense qu'ils ont une très bonne idée. Donc dans tous les RPG, forcément, il y a beaucoup de blabla. Donc là, c'est le petit dictaciel, vous voyez, il faut appuyer deux fois sur croix pour pouvoir voler, une fois pour sauter, une autre fois sur croix pour voler. Donc le jeu est sorti le 29 mai 2018, il est sorti sur Xbox 300, Xbox One 360, pourquoi 360 ? Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, à des prix relativement raisonnables, à part l'édition collector bien sûr, qui est un peu plus complète, donc un peu plus cher. Donc on peut se déplacer de gauche à droite, là l'objectif c'est, hop, on saute deux fois pour voler, c'est de pouvoir grimper sur la plateforme, mais c'est impossible, voilà. Donc le petit dictaciel. Allez, on le lâche. Ah, il fallait le lâcher, ah, bon, tant pis. Ah, le poser, pas de le détruire, bon, désolé. Ça commence, les bêtises commencent. Alors, la découverte des différents niveaux. Donc, un jeu en simple édition, il fallait compter une trentaine d'euros. Donc, relativement correct. D'occasion, il faut compter une vingtaine d'euros. Si vous appréciez ce style de jeu, je vous conseille de l'acquérir. C'est du bonheur à jouer. La majorité des testeurs l'ont d'ailleurs conseillé. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un scrolling horizontal et vertical. Donc, vous avez possibilité d'explorer les différents niveaux. Et oui. Voilà, on va se faire rouspéter. Donc on va atterrir près du papy. Hop, allez, c'est parti. Donc vous avez votre jauge de vie en haut à gauche. Vous avez plus possibilité de boire, de reprendre de la vie. J'ai mis des petits cercles ici, on peut passer dedans. Oui, effectivement. Ce qui nous permet de récupérer des pièces, forcément. Donc très sympa de manipuler. Hein. Apparemment, le L2 et le R2 servent beaucoup. Pour boire, accrocher vos acolytes au plus loin dans le jeu, c'est la même chose. On va essayer d'appeler sur la tablette. Ok, on a un menu avec les pièces, les objets. Ok, donc là c'est le début du jeu, donc forcément on n'a pas grand chose. Donc là il faut une capacité, je suppose, on n'a pas la possibilité de taper.
fut choqué. Donc, je suppose qu'on pourra acheter différentes compétences, ce serait sympa. Oh, la verticalité est après. Ah, je crois que c'est son futur acolyte. Lui parler, ok, ça marche. Et voilà, son acolyte de toujours. Comme la majorité des Dynamic Games pour moi, d'ailleurs. Alors, une petite dédicace à Fox, Arnold et à Thorfab, qui ont fait des vidéos qui sont passées dans les différents Dynamic Games, qui ont fait quelques vidéos, une à Chaland, une à Fontenay, je vous invite à visionner. Je crois que le plus impressionnant, c'est le magasin de Fontenay-le-Comte, c'est un truc de fou. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé voir Loïc, je vais sûrement passer le voir et faire une petite vidéo pour vous présenter le magasin. Et l'individu, c'est quelqu'un de très attachant, très sympathique. Ça fait longtemps qu'il est dans la franchise, ça fait longtemps qu'il est membre du réseau, au moins une vingtaine d'années. Et il est toujours aussi passionné, bien sûr, les Dynamic Games. Nous sommes que des passionnés. Et voilà, le test est terminé. Donc, Hollow Boy est, reste pour moi un très bon titre. Donc, toujours dans la lignée d'un Monster Boy. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'acheter. Vous pourrez le trouver d'occasion à des prix relativement intéressants dans vos magasins spécialisés. Et en 9 à 30 euros. Donc, vous le trouverez sur PS4, sur Switch et sur Xbox One, comme dit précédemment. Donc, un prochain test. La prochaine fois, on viendra à un de mes potos du magasin de Chaland. Il a fini intégralement The Last of Us 2. C'est interdit moins de 18 ans. C'est pire que Resident Evil. L'histoire, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais l'histoire, pour ma part, est décevante. Je préfère le 1 largement. Après, c'est juste une histoire de goût. Je vous laisse faire votre avis, comme d'habitude. Et on testera aussi le Ghost of Tsushima. Donc, il est en train de finir d'ailleurs. Donc, à très bientôt pour un test du midi. Allez, au revoir.